Goedemiddag iedereen. Bonjour à tous et à toutes. Welkom op deze nieuwe aflevering van de Altius Digital Law Series Keep Up with GDPR. Onze trouwe kijkers weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Wij geven in een uurtje een korte update van het reilen en zeilen in de wonderlijke wereld van de GDPR. Ik doe dat deze namiddag niet alleen. Ik heb nog een andere ervaren GDPR-gids met mij meegebracht. Dat is Pierre Antoine. En we gaan u het volgende uur bezighouden met wat nieuws op Europees niveau, op Belgisch niveau en op het niveau van verschillende lidstaten. En dan kijken we vooral naar de belangrijkste beslissingen, adviezen, aanbevelingen die er zijn gekomen door de autoriteiten en door de verschillende gerechtelijke instanties. Beginnen doen wij op Europees niveau. En daar is een zeer interessante zaak eigenlijk aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie de afgelopen zomer. Een zaak over Facebook, een Duitse zaak, waarin dat het Duitse Hooggerechtshof een aantal vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie. Het bijzondere aan deze zaak is dat het eigenlijk gaat over een zaak niet van een gegevensbeschermingsautoriteit, maar van het Bundeskartellamt, van de Duitse mededingingsautoriteit. Die hadden een boete opgelegd aan Facebook, omdat Facebook, kort samengevat, gegevens gebruikte van onder andere Facebook-gebruikers, maar ook van Instagram-gebruikers, die dus deel uitmaakten van dezelfde Facebook-groep. De mededingingsautoriteit die was van mening dat de gebruikers van de beide producten en diensten eigenlijk onvoldoende daarover waren ingelicht, dat zij hun toestemming moesten geven alvorens dat Facebook hun gegevens kon combineren van hun verschillende accounts. En daar rond zijn een aantal vragen gesteld geweest. Ten eerste is de vraag van wat is eigenlijk de bevoegdheid van het Bundeskartellamt om zich uit te spreken over de GDPR en zeker in het licht van het hele éénloketmechanisme. Het éénloketmechanisme ter herinnering is ingevoerd met de GDPR en voorziet dat bepaalde dat één toezichthoudende autoriteit de leading supervisory authority wordt en dat andere autoriteiten deze kunnen volgen en kunnen assisteren bij het nemen van een beslissing. Hier was het echter de mededingingsautoriteit die bepaalde inbreuken in hoofden van Facebook op de GDPR ging verwijten. En dus stelt zich ook de vraag van wat met die leading supervisory authority onder de GDPR en hoe moet die bevoegdheid, hoe valt die te verzoenen met die van de Duitse mededingingsautoriteit? Een tweede vraag die zich stelde is naar de verwerking van gevoelige gegevens. Wat als Facebook registreert dat een gebruiker via de Facebook plugins, dat een gebruiker op apps of op websites zit waaruit bepaalde gevoelige gegevens blijken, zoals datingapps voor homoseksuelen, is dat meteen een verwerking van gevoelige gegevens? En derde vraag dan eigenlijk, is het louter feit dat een gebruiker gebruik maakt van die social plugins als men op zo'n applicaties of website zit, kan men daarvoor een uitzondering inroepen dat de betrokkenen zijn gegevens manifest openbaar heeft gemaakt? Een vierde interessante prejudiciële vraag waar het Hof zich gaat moeten overbuigen, is over het combineren van de data over de verschillende entiteiten van Facebook heen. Of dat men, beter gezegd, de gebruiksgegevens van een Instagram-account mag combineren met diezelfde gebruiker bij Facebook. Het stond zo ongeveer uitgelegd in de privacy policy en meer bepaald dat men de gegevens kon gaan combineren om bepaalde gepersonaliseerde advertenties of inhoud te tonen en ook voor doeleinden zoals netwerk security, productverbeteringen enzovoort. Een onderliggende vraag daarbij was ook van wat, als we die beoordeling maken, wat is de invloed dat de gebruiker een minderjarige zou zijn? En een laatste vraag die toch ook wel zeer pertinent is, is van
Is er mogelijkheid om te spreken, of in welke mate is de toestemming die men zou geven aan een onderneming zoals Facebook, is die vrij als we weten dat die onderneming over een machtspositie beschikt? Tot dat besluit was het Bundeskartellamt gekomen. Zij zeiden van, voor sociale media is er op de Duitse markt eigenlijk een machtspositie voor Facebook. En dus stelt zich daar de vraag, of wordt de vraag toch gesteld, of dat men dan een vrije toestemming kan geven aan zulke ondernemingen. Er mag een antwoord op die vragen binnen een aantal maanden worden verwacht. Eerst denk ik in een conclusie van de advocaat-generaal en dan waarschijnlijk in de loop van volgend jaar door het Hof zelf. Een tweede punt op Europees niveau zijn nieuwe guidelines over het artikel 23 van de GDPR. Dit zijn de herziene guidelines, dus ze waren eerst al, of beter de definitieve versie, deze waren eerst al consulteerbaar voor het publiek en er konden opmerkingen op worden gegeven. Artikel 23 geeft de lidstaten de mogelijkheid om in bepaalde beperkingen te voorzien op de rechten van betrokkenen, ook op de beperkingen die een controller zou hebben om betrokkenen te informeren als er sprake is van een gegevensinbreuk en ook voor een controller op bepaalde beperkingen te maken op de algemene gegevensbeschermingsprincipes uit artikel 5. DPB geeft daar richtsnoeren in. Eerlijk gezegd is de inhoud daarvan vrij duidelijk en vrij straightforward, namelijk dat er natuurlijk een wettelijke basis moet worden voorzien binnen de nationale wetgeving, waarbij dat men dan implementatie maakt van die uitzondering. En de gevallen waarin dat er een uitzondering mag worden voorzien, zoals nationale veiligheid, landsverdediging, de voorkoming en het onderzoek en opsporing van strafrechtelijke inbreuken. Het zijn enkel binnen dat kader dat men dan die uitzonderingen mag voorzien en dat het natuurlijk voor betrokkenen duidelijk moet worden dat men zijn rechten daar maar in beperkte mate zal kunnen uitoefenen. In de Belgische gegevensbeschermingswet van 2018 vinden we ook een aantal toepassingen daarvan terug. De impact voor controllers is dus voor deze guidelines eerder beperkt, omdat deze zich vooral richten op de wetgevende instanties die een opzetting moeten doen van de GDPR op dat niveau. Een derde interessant punt op Europees niveau is de melding dat de EDPB, dus de European Data Protection Board, een cookie banner taskforce is gaan oprichten. Dat is een van de bevoegdheden die zij heeft onder de GDPR. En die taskforce is er eigenlijk op gericht om op een gecoördineerde wijze antwoorden te gaan bieden op de klachten die waren ingediend bij verschillende toezichthoudende instanties in de verschillende lidstaten door NOYB, dus None of Your Business, een non-profit organisatie die bepaalde praktijken over cookie banners heeft aangekaart, ook in België een aantal bedrijven heeft aangeschreven, waarbij dat zij klagen over het gebruik van die cookie banners en meer bepaald dat de cookie banners te veel zouden duwen richting het aanvaarden van alle cookies en minder de mogelijkheid zouden bieden om om zelf een keuze te maken of om de cookies te weigeren. En daarmee kan ik een bruggetje maken naar de laatste slide wat betreft het Europese nieuws, namelijk dat de landen van de G7, waaronder dus de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, ook hebben aangegeven op een recente bijeenkomst dat zij de toezichthoudende autoriteiten aanmoedigen om dieper te gaan kijken en nauwer te gaan toezien op wat men dan meaningful consent noemt. Ook hier viseert men de praktijken in de online sector, vooral dan bij digitale advertenties, waarbij dat gebruikers worden genudged of waarbij dat er zogenaamde dark patterns worden gebruikt, waarbij dus gebruikers in een bepaalde richting worden geduwd om alle cookies te aanvaarden. Tegen deze praktijken roept men de autoriteiten op om daar meer paal en perk aan te stellen. Interessant in dat opzicht is dat het IAB, dus de Internet Advertising Bureau, een
vrij vooraanstaande speler in het ecosysteem van digitale advertenties, dat die zelf ook initiatieven hebben opgenomen. Het IAB is een organisatie die zelf een zogenaamd consent framework heeft uitgewerkt, waarbij dat heel veel organisaties, zowel publishers als adverteerders, maar ook alle tussenorganisaties zoals demand-side platforms, consent management platforms zijn aangesloten om ervoor te zorgen dat in de wereld van onder andere het zogenaamde real-time bidding, dat daar op een geldige toestemming kan worden ingeroepen en dat de bedrijven een geldige toestemming hebben om aan hun gebruikers advertenties te laten zien. En het IAB had vastgesteld dat bepaalde leden niet haar eigen consent framework volgde en heeft die aangeschreven om daarmee te stoppen. Belangrijke noot daarbij is wel dat er bij het hele consent framework van het IAB ook wel GDPR-vragen kunnen worden gesteld en kritisch naar kan worden gekeken. En dat wordt ondertussen ook al gedaan, onder andere in een Belgische procedure die al sinds vorig jaar hangende is en waarbij onder andere over de legitimiteit van dat kader vragen worden gesteld. Dat brengt ons bij het lokale niveau, het Belgische nieuws. Het eerste hoofdpunt is dat we een eerste beslissing hebben gekregen van het Hof van Cassatie over de interpretatie van de GDPR. Het betreft een beslissing van 7 oktober 2021 in de zogenaamde EID-zaak. Kort, de achtergrond nog eens van die zaak ging over een drankencentrale, waarbij dat die drankencentrale aan haar klanten kortingen toestond als men zijn EID afgaf bij de aankopen van bepaalde dranken. Een klant weigerde dat en wilde een papieren formulier om toch te kunnen genieten van die kortingen. Volgens de drankencentrale was dat niet mogelijk en daarop heeft dan die persoon een klacht ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Daarop volgde een onderzoek en daarop volgde ook een boete van 10.000 euro die werd opgelegd door de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat was in september 2019. Vervolgens werd er een procedure in hoger beroep gevoerd en die hebben wij met Altius mogen voeren. En daar hebben wij dan in bekomen dat er een arrest kwam van het Markthof waarin dat de beslissing van de GBA werd vernietigd. De GBA heeft het daar echter niet bij gelaten, is in cassatie gegaan en nu heeft cassatie beslist over twee punten dat er een gedeelte vernietiging moest komen van het Markthof. Waarover ging dat? Enerzijds had het Markthof gezegd dat over de inbreuk die aan de drankencentrale werd verweten, dat er te veel gegevens werden verwerkt. Namelijk dat er op de EID te veel gegevens stonden dan nodig was om een korting toe te kennen. Daarover zei het Markthof dat er geen inbreuk kon zijn op het principe van dataminimalisatie, omdat er geen verwerking had plaatsgevonden. De betrokkenen, of de klager, had immers nooit haar EID afgegeven, dus er waren nooit gegevens verwerkt geweest. Die redenering volgt het Hof van Cassatie niet en daar kunnen wij ook wel mee instemmen. Het was ook een punt dat we zelf niet in de procedure naar voren hadden geschoven, maar die het Markthof zelf zeg maar, uit haar hoed had getoverd. Het Hof van Cassatie zegt duidelijk, ook als er nog geen verwerking is, kan een toezichthoudende autoriteit optreden tegen een bepaalde praktijk. Want als je het tegenovergestelde zou beweren, zou dat betekenen dat een persoon die weigert om zijn toestemming te geven omdat hij vindt dat een praktijk onrechtmatig is, daarover nooit een klacht zou kunnen indienen. Een tweede punt, en dat lijkt ons een nog interessanter punt, is dat het Hof van Cassatie ook de motivering van het Markthof onvoldoende vond op het vlak van de geldige toestemming. Aan de drankencentrale was of werd verweten door de gegevensbeschermingsautoriteit dat zij geen geldige toestemming hadden bekomen. En belangrijk daarbij op te merken is dat zij dat staafden op twee gronden. Enerzijds natuurlijk geen geldige toestemming onder de GDPR, maar anderzijds ook geen geldige toestemming onder de EID-wetgeving. En die
wetgeving die vereist dat voor het lezen en gebruiken van de EID-kaart dat er toestemming nodig is. En wanneer dat je een voordeel toekent of een dienst gaat gebruiken via die EID in het kader van een informatica-toepassing, dat je ook steeds een alternatief moet aanbieden. En dus bijvoorbeeld een papieren alternatief dat men niet verplicht is zijn EID te geven. Het Marktenhof had gezegd dat er onvoldoende motivering was, omdat die EID-wetgeving nog niet van toepassing was op het moment dat de klacht was ingediend. En daar stopt zij met haar motivering. Zij ging niet dieper in om, los van de EID-wetgeving, ook te kijken of dat er een geldige toestemming kon worden gegeven, nu dat die persoon geen voordeel kreeg van die kortingskaart. En daar komt het Hof van Cassatie dus aan tegemoet en vernietigt zij het, omdat zij vond dat het Markthof dit punt wel had moeten onderzoeken en meer bepaald had dus had moeten onderzoeken of dat die beklaagde een vrije toestemming kon geven wanneer hij niet kon genieten van dat voordeel. Interessant is, en we merkten op dat in de gepubliceerde versie op de website van Cassatie dat dat niet vermeld is, maar dat een derde middel dat is opgeworpen geweest in de Cassatieprocedure en waar dat er geen vernietiging is opgekomen, dat het punt niet gepubliceerd is in het arrest. En dat ging over de motivering van de sanctie, die ook op dat punt had het Marktenhof geoordeeld dat er een vernietiging moest komen van de beslissing. Ook daartegen had de gegevensbeschermingsautoriteit Cassatieberoep aangetekend, maar daarin is men niet gevolgd en Cassatie zei dat de motivering op dat punt in orde was. Wat heeft dat als gevolg? Wel, de zaak wordt nu terugverwezen in de beperkte omvang die ze nog heeft, dus over de punten waarover dat Cassatie zei dat ze vernietigd moesten worden. Zij wordt teruggestuurd opnieuw naar het Markthof, omdat er maar één Markthof in België is, maar dan wel anders samengesteld. To be continued dus waarschijnlijk. Dat brengt ons bij een aantal beslissingen van de gegevensbeschermingsautoriteit zelf. Een eerste zaak gaat over een klacht tegen een bank met betrekking tot het uitoefenen van het recht op toegang. Een beklaagde vroeg kopie van zijn gegevens op en diende een klacht daarop in bij de gegevensbeschermingsautoriteit omdat hij vond dat zijn recht op toegang niet was ingewilligd of niet correct was ingewilligd omdat hij geen kopie had gekregen van de gegevens die hij vroeg. De GBA is daar niet in meegaan, is overgegaan tot een technisch CEPO van deze klacht. Waarom? Enerzijds omdat het deel was of onderdeel uitmaakte van eigenlijk een groter geschil dat er was tussen de klant van de bank en de bank zelf. En anderzijds omdat zij vonden dat er geen schending was gebeurd van de rechten van de betrokkenen. Meer bepaald had de bank wel alle gegevens overgemaakt op deze manier, dus met een kader. Maar de vraag was hier, de bank had enkel eigenlijk aangegeven welke gegevens dat men had over die persoon, zonder concreet aan te geven welke dat deze gegevens precies waren, zoals de naam, het bankrekeningnummer enzovoort. En dat werd dan ook verweten door de klager, maar de gegevensbeschermingsautoriteit is daaraan niet meegegaan. Die stelden dat de persoon zelf die gegevens had gegeven en dus ook geen kopie daarvan moest vragen, omdat hij zelf had afgegeven. En daar maakte de geschillenkamer dan een analogie eigenlijk met artikel 13 en artikel 14 van de GDPR, dat een uitzondering voorziet op de informatieverplichting, dat als je de informatie reeds hebt gekregen, dat een controller niet verplicht is om de informatie opnieuw aan jou te geven. Maar opmerking hier is dat het wel eigenlijk ging niet over artikel 13 of 14, maar artikel 15 van de GDPR, namelijk het recht op toegang. En daar is volgens ons geen uitzondering op. Dus het is een toch wel bijzondere beslissing die de geschillenkamer hier nam en waar toch het een en ander opvalt aan te merken. De volgende beslissing die werd genomen is een prima facie beslissing, dus een beslissing in de voorafgaande fase, waarbij dus de zaak niet ten gronde is behandeld geweest. Het ging hier eigenlijk over het delen van gezondheidsgegevens van een onderwijzer door een directeur. De onderwijzer had
deze gezondheidsgegevens aan de directeur overgemaakt om zijn ziekteverlof te onderbouwen en te argumenteren. En de directeur had deze data gedeeld met personeelsleden, de inrichtende macht, andere scholen. En daar kwam een klacht natuurlijk op van die onderwijzer. De gegevensbeschermingsautoriteit die oordeelde erover van kijk, voor de doorgifte die er gebeurde door de onderwijzer naar de directeur en de verwerking die gebeurde voor het ziekteverlof te kunnen registreren, daar was er een geldige rechtsgrond voor, namelijk toestemming. Wat interessant is, want je kan ook stellen dat die leerkracht een ondergeschikte is en dus geen vrije toestemming zou hebben kunnen geven aan zijn directeur om die gegevens te verwerken. We vermoeden dat de geschillenkamer hier toch toestemming aanvaardt, omdat de leerkracht zelf de gegevens en de reden voor zijn ziekteverlof vrijwillig heeft overgemaakt. Waar er echter geen geldige rechtsgrond voor was, was voor de verdere doorgiften door de directeur aan al de andere instanties. De sanctie is in onze ogen eigenlijk toch wel redelijk zwak, of toch goed voor de directeur en de school. Zij krijgen enkel een berisping en de verplichting om meer awareness te creëren binnen de school en hun organisatie over het veilig omgaan met gegevens. En zij moeten daarvoor eigenlijk een ontwerp met instructies opstellen en publiceren binnen hun organisatie en ook een kopie daarvan overmaken aan de GBA. De reden waarom dat men eigenlijk hier verzachtende omstandigheden aanwezig vond, is, zo gaf de geschillenkamer aan, omdat het aantal betrokkenen die die gegevens hadden gekregen, de derden, eigenlijk beperkt waren en omdat het beperkt was tot personen binnen de schoolomgeving, waarbij dat men dan toch wel de opmerking kan maken dat het misschien toch wel een grotere impact heeft dat personen uit jouw naaste omgeving bepaalde gevoelige gegevens hebben gekregen en dat de impact als die gegevens bij een onbekende derde hadden geweest veel minder schade hadden toegebracht aan de betrokken leerkracht. Een volgende beslissing is eigenlijk een prima facie beslissing die we zeer vaak zien bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Het ging over een klacht van een voormalige werknemer die te horen had gekregen dat zijn voormalig werkgever gegevens aan een derde had toevertrouwd en had toevertrouwd dat eigenlijk de reden voor het stopzetten van de job van de werknemer was omdat hij de stress niet aankon. Daarop had de werknemer een klacht ingediend, of beter gezegd, eerst een verzoek ingediend bij de werkgever om gegevens op te vragen, onder andere een uittreksel uit het register te krijgen en zeker te weten wie de ontvangers waren van zijn gegevens. Daar kwam een onvolledig en een laattijdig antwoord op. En dan, zoals vaak in dit soort zaken, zien we dat de geschillenkamer meteen overgaat tot het nemen van dus een prima facie beslissing en een bevel oplegt aan de controller om toch dat verzoek in te wilgen en ook binnen die termijn de geschillenkamer ervan op de hoogte stellen dat men dit verzoek heeft nageleefd. En dan een laatste beslissing die gepubliceerd werd in deze periode is een zaak in verband met de website van een ziekenhuis. Daar was online een verzoekformulier om, of een contactformulier beter gezegd, om de ombudsman aan te schrijven over klachten, suggesties, opmerkingen. Een betrokkenen had op de website vastgesteld dat dat formulier niet beveiligd was en dat er dus eventueel een inbreuk gebeurde op het onvoldoende nemen van technische en organisatorische maatregelen door het ziekenhuis. De geschillenkamer heeft die klacht afgewezen en onontvankelijk verklaard, omdat men vond dat de betrokkenen geen voldoende belang had. Hij had immers niet de intentie om het formulier te gebruiken en hij had het ook nog nooit gebruikt. Dus louter eigenlijk ageren omwille van een soort van publiek belang is niet mogelijk binnen bij de procedures van de GBA. Dat heeft men ook al in andere beslissingen aangegeven. De GBA merkte wel op dat inderdaad dat webformulier onvoldoende beveiligd was en maande het ziekenhuis wel aan om daarop verdere maatregelen te nemen dat die gegevens zeker beveiligd werden of extra beveiligd werden, omdat het hier vaak over gevoelige gegevens kon gaan. Een laatste punt dat in die beslissing aan bod kwam, was de rol van de DPO.
De inspectiedienst, die ook in dit dossier op pad was gestuurd, die had opgemerkt dat de DPO rechtstreeks rapporteerde aan de algemeen directeur. En de inspectiedienst was daarvan mening dat dat in strijd was met de GDPR, omdat de GDPR voorschrijft dat men moet melden aan de instanties van het hoogste managementniveau. En volgens hen was dat niet de algemeen directeur, maar was dat de raad van bestuur. De geschillenkamer is daar niet in meegegaan en heeft zich eigenlijk eerder neutraal opgesteld en gezegd van kijk, ook die raad van bestuur die kan, of beter gezegd, ook die algemene directeur kan het hoogste orgaan zijn om aan te rapporteren. Het is aan het ziekenhuis om dat te kunnen verantwoorden onder haar accountability. En dus om al die redenen is men overgegaan tot het afwijzen van de klacht. Dan heb ik als derde punt op het lokaal niveau nog een aantal meldingen van de GBA zelf. Een eerste is dat zij via hun website hebben gemeld dat zij de COVID-scan-app verder gaan onderzoeken, omdat daar meldingen waren gemaakt van gegevenslekken. De COVID-scan-app is de applicatie die ondernemingen gebruiken om uw COVID-safe-ticket op uw smartphone te kunnen lezen. Er werden in de pers en ook door een aantal betrokkenen gemeld dat er daar bepaalde gegevens konden worden gevonden die daar niet moesten zitten. En dus is de GBA daar een verder onderzoek over gestart. Het is niet de eerste keer dat de GBA zich zeer kritisch opstelt ten opzichte van al wat COVID-maatregelen en COVID-safe-ticket inhoudt. Ook in haar adviezen over de preventiemaatregelen die steeds gepubliceerd worden, is men daar vaak zeer streng. Tot slot de interne situatie bij de GBA. Hebben we ook nog een korte update over. Enerzijds over het punt van de heer Robben, waar dat men over had gemeld dat deze een conflict of interest zou hebben. Daar stelt het parlement voor om de wet te gaan wijzigen, de wet op de gegevensbeschermingsautoriteit, zodat enkel rechters en academici eigenlijk nog als externe leden van de GBA kunnen worden toegelaten. En omdat dan de heer Robben, die dus meerdere functies combineert, zowel binnen de GBA als daarbuiten, onder andere het e-health platform, die hoedanigheid niet heeft, zouden we eigenlijk onrechtstreeks tot een ontslag worden gedwongen. Tweede punt is het verslag van het Rekenhof, dat een aantal maanden geleden werd overgemaakt aan het parlement en die onderzoek hadden gedaan naar een aantal onregelmatigheden bij de gegevensbeschermingsautoriteit en dan vooral bij het directiecomité. Hier heeft het parlement beslist om een working group op te stellen om eigenlijk verder onderzoek te doen, à charge en à décharge van de leden van het directiecomité. Daar kunnen toch vragen worden bij gesteld. Enerzijds, ja, het is het Rekenhof dat eigenlijk al een onderzoek had gedaan, dus het is vreemd dat men niet met die bevindingen aan de slag gaat. En anderzijds is het natuurlijk ook vreemd dat men eigenlijk de leden van het directiecomité gaat onderzoeken als het parlement initieel zelf de beslissing heeft genomen om deze personen aan te stellen. Ook dit dus nog to be continued. En dan geef ik het woord aan Pierre. Merci Yann. Petit instant, je vais projeter la suite des slides pour vous. Oops. Voilà. Alors, de mon côté, je vais commencer par vous parler de la nouvelle charte qui a été publiée par le service d'inspection de l'autorité de protection des données. Vous avez peut-être déjà pris connaissance de celle-ci, mais si tel n'est pas le cas, on pensait qu'il serait utile de vous rappeler un peu les principes qui doivent être respectés ou qui s'appliquent au service d'inspection quand celui-ci mène une enquête, dans la mesure où on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça pourrait peut-être être le cas pour vous qu'une enquête survienne. Alors, mais en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le service d'inspection s'est rendu compte que souvent, quand il menait des enquêtes, parfois il y avait une méconnaissance des règles qui pouvaient affecter le bon déroulement de l'enquête. Alors, juste
Pour cela, le service d'instruction a décidé de clarifier ce qu'il en était par rapport à ses compétences, ses différents pouvoirs, qui sont très nombreux, les différentes obligations de collaboration qui s'appliquent aux personnes qui font l'objet de l'enquête, et également les conséquences de cette enquête, c'est-à-dire en termes de procédure, mais également potentiellement en termes de non-collaboration. Alors, ici, ce qu'il faut savoir avant tout, et comme vous le savez, le service d'instruction, c'est un des six organes de l'autorité de protection des données, c'est qu'il y a différentes manières pour ce service d'instruction d'être saisi. Il peut être saisi tout simplement par le comité de direction, qui, sur base d'indices sérieux d'infraction à la législation en matière de protection des données, décide de lancer une enquête, de même par la chambre contentieuse de l'autorité de protection des données, ou bien sur propre initiative du service d'inspection lui-même. Ce qu'il faut en retenir ici, c'est qu'il y a deux potentielles raisons qui peuvent mener une inspection. C'est tout d'abord, comme je viens de le dire, un risque sérieux d'infraction à la législation en matière de protection des données, qui est remarqué par un des organes de l'autorité, ou bien tout simplement le fait que la chambre contentieuse, dans le cadre du traitement d'un litige, décide qu'une enquête soit nécessaire. Donc, une fois qu'une telle enquête a démarré, qu'elle est décidée, eh bien, en fait, il y a de très nombreux actes qui peuvent faire en sorte qu'on tombe dedans. C'est-à-dire que potentiellement, une enquête est démarrée et vous pourriez recevoir un simple email du service d'inspection vous posant quelques questions sur certains traitements de données que vous effectuez dans le cadre de vos activités. Eh bien, c'est déjà une enquête à laquelle différentes obligations de collaboration s'appliquent en votre chef et différentes obligations également pour les inspecteurs. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et d'un autre côté, eh bien, vous pouvez avoir des procédures plus lourdes, par exemple ce qu'on appelle des down raids non annoncés. Donc ça, ce serait des agents de l'autorité qui viennent sur place pour inspecter les lieux, moyennant bien sûr certaines conditions. Donc il y a vraiment une grande variété de concepts, d'actes qui tombent sous le champ de l'enquête, de l'inspection. Et donc dès qu'un de ces actes a été intenté par le service d'inspection, eh bien, tous les principes qu'on va voir juste après s'appliquent et doivent être respectés. Une chose à noter, c'est qu'il y a une pratique constante du service d'inspection, pas constante, mais disons très fréquente, qui est de commencer une première enquête, de poser des questions, et ensuite de poursuivre des sortes de sous-enquêtes sous d'autres sujets, pas directement liés à l'enquête initiale ou à la plainte initiale. C'est quelque chose qu'affirme le service d'inspection ici dans sa charte, c'est qu'il ne se considère pas limité par le champ d'application, le scope initial de l'enquête. Et à cet égard, il faut noter que des sujets qui seront quasi systématiquement abordés ou bien sur lesquels le service d'inspection posera des questions, bien, touchent à la question des Data Protection Officers, de leur indépendance, de leur expertise, mais également des politiques en matière de protection des données ou bien d'utilisation de cookies. Donc ces trois sujets, en cas d'inspection, sont des sujets qui quasi systématiquement pourraient également faire l'objet de questions de la part du service d'inspection. Également à noter, cette charte du service d'inspection, eh bien, elle pourrait évoluer à l'avenir sur base des nécessités du service, mais également de la pratique même et de l'utilisation de ses pouvoirs par le service d'inspection. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose à suivre à l'avenir qui va peut-être évoluer. Alors, on commence tout d'abord par le côté de l'inspecteur. Donc, c'est évidemment un ordre un peu chronologique. On essaie de voir ce qui s'applique d'abord avant tout à eux, qu'est-ce qu'ils doivent respecter, les inspecteurs, lorsqu'ils vous contactent. Juste après, on envisagera les choses plutôt d'une perspective de l'inspecté, votre perspective. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les inspecteurs de l'autorité de protection des données sont ici pour contrôler la légalité de traitement par rapport aux législations en matière de traitement des données personnelles. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas véritablement là pour évaluer l'opportunité de certains traitements, c'est une première chose. Mais en outre, ils ne peuvent pas, ils doivent évaluer les choses de manière concrète, donc par rapport à certains traitements effectués in casu, dans le cadre de vos activités, et ils ne peuvent a priori pas évaluer ces traitements, juger ces traitements sur base d'autres législations que celles purement en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, en ce qui concerne la manière dont les enquêtes peuvent avoir lieu, eh bien ici, en fait, le service d'inspection dispose d'une très, très grande possibilité de pouvoir d'enquête. Je vous en cite quelques-uns pour mémoire.
Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que vous devez être attentif dès que vous êtes contacté par le service d'inspection des règles de collaboration qui s'appliquent. Le service d'inspection peut bien évidemment requérir de lui-même des informations, vous en demander, faire auditionner des personnes, prendre déjà à ce stade certaines mesures provisoires par rapport au traitement, et même donc, comme je l'ai indiqué juste avant, accéder aux locaux. Dans certains cas, il pourrait être possible que le service d'inspection demande même de consulter certains systèmes d'information, voire demander la copie de certaines données personnelles, mais il y a des conditions très strictes qui s'appliquent. Là, à ce niveau-là, il faut bien sûr qu'il y ait le consentement de la personne contrôlée, voire une autorisation du juge d'instruction. Sont également possibles des saisies, mises sous scellé, assistance par la police. Donc, pas mal de pouvoirs possibles et qui peuvent être utilisés par le service d'inspection. À noter, et ça, c'est vraiment une pratique très constante du service d'inspection, c'est l'utilisation de questionnaires. Ces questionnaires sont tout simplement envoyés par voie d'email, parfois par voie de poste. Ils sont très longs, comportent des questions très très précises, parfois très techniques, qui s'en suivent par d'autres questions de follow-up. Donc, ce sont des procédures qui peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, in fine. Alors, comment ces pouvoirs peuvent être exercés par le service d'inspection? Mais avant tout, c'est un principe très important, c'est que l'enquête, elle est secrète. Donc c'est quelque chose qui doit être respecté tant par les inspecteurs que par les personnes a priori qui sont contactées par l'inspection. Les inspecteurs sont indépendants, ils ne peuvent pas recevoir d'instructions, que ce soit directes ou indirectes, et ils doivent prendre des mesures qui sont vraiment nécessaires et proportionnelles par rapport à l'enquête qui est envisagée. Pas par exemple a priori voir un downgrade survenir si des simples questions par rapport à une politique de vie privée auraient été suffisantes. Alors, le service d'inspection peut aussi, comme je l'ai dit, consulter lui-même, obtenir lui-même des informations. Quand ce sont des informations qui sont électroniques et disponibles publiquement, le service d'inspection ne peut pas utiliser d'identité fictive ou crédible afin de les obtenir ou d'obtenir des informations sur celles-ci. Et il ne peut pas non plus utiliser des documents fictifs. Ça paraît logique, mais c'est quelque chose qui est expressément précisé dans la loi. À noter enfin que lorsque des inspecteurs se présentent physiquement, a priori, ils doivent également vous montrer leur carte de légitimation. Alors, quid maintenant du côté de l'inspecté? Si vous faites l'objet d'une inspection, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que potentiellement toute personne, que ce soit personne physique ou légale, peut être interrogée par le service d'inspection. Là, ici, le service d'inspection a une marge de manœuvre très large, puisqu'il peut interroger toute personne qu'il juge nécessaire pour mener à bien l'inspection. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que contrôleur des données, pouvez être interrogé, mais également le plaignant suite à sa plainte, un sous-traitant, des parties tierces. Cela peut être tant un représentant d'une organisation qu'une personne individuelle au sein de cette organisation, un manager, un employé ou un DPO. Ensuite, en ce qui concerne vos droits, eh bien, vous avez bien sûr un droit d'information concernant les raisons, les objectifs de cette inspection, mais ce droit d'information est limité. Ce qui se passera en pratique, c'est que le service d'inspection vous indiquera les objectifs de cette inspection, la législation qui s'applique et dont il est question qu'elle pourrait être enfreinte, et également, si le service d'inspection le juge nécessaire et non dommageable, l'identité du plaignant. Vous pouvez bien sûr toujours faire assister d'un conseil dans le cadre d'une inspection. Une audition n'est possible par contre que si l'affaire est ensuite communiquée à la chambre contentieuse, et donc pas directement devant le service d'inspection. Et vous pouvez, ça c'est important, d'initiative, fournir tous les documents ou informations que vous estimeriez pertinents pour le service d'inspection pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Mais donc, a priori, tant que la décision concernant les suites données à l'inspection n'est pas prise, vous ne pourrez pas obtenir accès aux documents spécifiques qui sous-tendent celle-ci, ni entrer en contact direct avec les personnes qui travaillent sur l'inspection. Alors, quid de vos obligations dans le cadre d'une inspection? La première et la plus importante, c'est qu'il existe une obligation de coopération. Celle-ci découle du RGPD et de la législation belge en matière de protection des données. Elle implique concrètement que lorsque vous êtes soumis à un contrôle du service d'inspection, vous ne pouvez pas le refuser. Vous devez vous y soumettre et vous devez apporter votre bonne collaboration à celui-ci.
Cette collaboration peut être analysée par l'autorité de protection des données et elle est sujette à des sanctions administratives, voire même criminelles. Alors, bien sûr, l'autorité de protection des données fait une application très pleine de parcimonie de cette obligation. Pour vous donner un exemple, avait été condamné comme n'ayant pas respecté le principe de coopération, une personne interrogée qui, suite à une première demande d'accès d'un individu, n'avait pas répondu à cette demande d'accès, avait été contactée par l'autorité de protection des données qui l'avait enjoint à faire droit à cette demande et elle n'avait pas répondu. Ensuite, la procédure s'en était suivie au fond, la personne avait répondu de manière plutôt peu polie. Et donc, ce n'est que suite à cela que l'autorité a décidé qu'il y avait une infraction à cette obligation et a imposé une petite amende de 1 000 euros. Donc, cette obligation n'est pas très rapidement enfreinte, mais il n'en est pas moins qu'elle est très importante aux yeux de l'autorité. Et il faut noter également que certaines exceptions s'appliquent, notamment lorsque le service d'inspection demande l'accès à des documents. Bien sûr, ne pas sans savoir que certains secrets professionnels peuvent être applicables, le secret médical, le secret professionnel lié aux avocats et le secret qui peut s'appliquer à certains avis rendus par les juristes pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ça ne veut pas dire que tout simplement tout peut être refusé à l'autorité, hein. Il faut ici faire la part des choses. Certains documents devront tout de même être soumis. Certains devront être anonymisés de manière partielle. Donc ici, il y a un certain équilibre à trouver entre ce qui purement ne peut pas être transmis parce que c'est protégé et ce que l'autorité est tout de même en droit d'obtenir. Alors, deuxième obligation qui ici est exprimée dans la charte du service d'inspection, c'est que le service d'inspection attend une certaine loyauté, courtoisie et neutralité des personnes interrogées. Ça va de soi, on vous le mentionne pour mémoire. Ensuite, ce qu'il faut noter, trois points si vous faites face à une inspection. Qu'est-ce qui se passe une fois que cette inspection a eu lieu, elle est terminée? Eh bien, le service d'inspection va rédiger son rapport qui contiendra à la fois les circonstances positives et négatives, atténuantes, ou plutôt négative que l'autorité aura remarqué dans le cadre de son inspection. C'est important parce que ces circonstances seront prises en compte par l'autorité en cas de traitement ultérieur par la chambre contentieuse. Et le rapport contiendra également la décision de l'inspecteur quant à la suite de la procédure. Quatre ici suites possibles. Soit l'inspecteur peut décider de classer l'affaire sans suite et de ne rien faire, de ne pas transmettre le dossier, ou bien il peut le transmettre à la chambre contentieuse, au procureur du roi, ou bien à une autre autorité de protection des données ailleurs en Europe. Concrètement, si vous faites face à une inspection, prenant en compte le fait que souvent celles-ci interviennent par voie écrite, il faut savoir que le timing est vraiment critique. Vous recevrez potentiellement des questionnaires très longs, très techniques, avec une deadline parfois assez courte. Généralement, l'autorité de protection des données donne aux personnes interrogées 2 à 3 semaines pour répondre à ces questionnaires. Ça peut paraître raisonnable, ça l'est, mais malgré tout, le temps court rapidement et il est parfois nécessaire également de répondre à d'autres questions de follow-up. Donc, c'est très important, si vous faites face à un tel questionnaire, c'est de mobiliser vos ressources internes, les personnes compétentes techniquement, votre DPO, de manière très, très rapide. Également, voir s'il ne serait pas utile de demander l'extension de la deadline indiquée par l'autorité, ce que l'autorité accepte parfois de manière conciliante, à charge bien sûr que cela soit demandé dans les temps. Troisième point, ce qui est important, c'est l'impact que peut avoir le rapport d'inspection en cas de procédure subséquente devant la chambre contentieuse de l'autorité. Alors ici, les inspections généralement mèneront à certains constats matériels et ces constats vont être utilisés par la chambre contentieuse dans le cadre de son appréciation de la plainte du litige. Donc c'est déjà important de répondre aux questions posées par le service d'inspection de manière claire et non approximative dans la mesure où déjà à ce stade, ces questions, ces réponses peuvent être utilisées en tant que telles par la chambre contentieuse.
La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai indiqué, l'autorité est très sensible à la question de la bonne ou mauvaise collaboration qui est montrée par les personnes interrogées. Et si, et bon, voilà, on ne le souhaite évidemment pas, une amende était par exemple imposée à une personne inspectée, eh bien, tout bonnement, c'est un critère qui pourra entrer en compte pour en déterminer le montant. Voilà, j'en ai terminé pour la charte du service d'inspection. Et maintenant, je vais continuer avec les dernières tendances que nous avons notées dans la pratique de la chambre contentieuse de l'autorité belge de protection des données. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, déjà 3-4 mois, c'était fin juin, la chambre contentieuse de l'autorité de protection des données a publié sa politique de classement sans suite des plaintes. Suite au nombre grandissant de plaintes auxquelles elle faisait face et à l'expérience qu'elle commençait à avoir, l'autorité a un petit peu aussi formalisé sa pratique en retenant certains motifs techniques qui peuvent mener à un classement sans suite, absence de preuves, plainte manifestement non fondée, autres corps, institutions compétents, d'autres motifs d'opportunité plutôt ici, si l'intervention de la chambre contentieuse n'est tout simplement pas opportune parce qu'il n'y a pas eu de requête préalable exercée auprès du responsable du traitement, si la plainte s'inscrit dans le cadre d'un litige un peu plus large, eh bien, ce genre d'éléments pourrait mener l'autorité, la chambre contentieuse, à rejeter une plainte sur base de ces éléments. À noter toutefois que lorsqu'il y a un haut impact social ou personnel, sociétal ou personnel, alors l'autorité indique qu'elle continuera le traitement vraisemblablement. Eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis que ici la politique de la chambre contentieuse a été publiée? Eh bien, c'est qu'en fait, l'autorité, la chambre contentieuse, on a fait une application relativement directe et relativement franche. Ici, vous avez un petit tableau que nous avons basé sur base des décisions telles qu'elles sont publiées par l'autorité sur son site internet, qui nous indique que si l'on compare par exemple l'année 2020 avec les décisions qui ont été publiées depuis la publication de la politique, en rapport absolu, donc sans vraiment compter le nombre pur de décisions, mais plutôt en analysant le rapport l'une avec l'autre de cette décision, eh bien, c'est que l'autorité, la chambre contentieuse, a tendance à aller moins jusqu'à une décision sur le fond, mais plutôt à utiliser la voie de procédure préalable à la procédure au fond. Comme vous le savez, la chambre contentieuse bénéficie de ce choix. Elle peut soit traiter la procédure de manière préalable au fond, ou bien directement au fond. On note une tendance assez forte à la décroissance des procédures au fond vers plutôt des procédures préalables au fond, qui mène très souvent, plus souvent qu'avant, à des classements sans suite. C'est logique, bien sûr, mais ici, on remarque par exemple que depuis juin, eh bien, il n'y a eu que 7 procédures au fond. Par contre, il y a eu quasiment 3 fois plus de classements sans suite, alors qu'en 2020, pour toutes les décisions qui avaient été rendues, ce rapport était beaucoup plus équivalent. Deuxième remarque, c'est que les amendes administratives ont tendance à être beaucoup moins utilisées comme voie de sanction par l'autorité. On remarque qu'en 2020, la moitié des décisions sur le fond menaient à une telle amende. Depuis juin 2021, eh bien, c'est simple, il n'y en a plus eu. Ce sont donc apparemment des tendances qui montrent que l'autorité, sur base de cette politique, des moyens dont elle bénéficie, a peut-être tendance à montrer plus de clémence face aux plaintes qui lui sont soumises. Donc voilà, c'est ce que nous voulions vous indiquer et vous faire. Voilà, c'en est fini pour les actualités de l'autorité de protection des données. Nous voulions brièvement évoquer avec vous un nouveau projet de loi qui est paru très récemment, qui tend à transposer le code de communication électronique européen, qui a été publié par l'Union européenne et les institutions compétentes depuis déjà quelques mois. Alors, la Chambre n'a pas été en reste, vu qu'elle nous a fourni un projet qui fait pas moins de 1300 pages, que nous avons un petit peu décortiqué pour vous, pour voir dans quelle mesure il n'y avait pas certaines choses intéressantes, à savoir d'un point de vue protection des données RGPD. Alors, c'est donc un projet du 19 octobre 2021 que vous retrouvez sur le site de la Chambre. Et un des points intéressants qu'on a noté, c'est qu'il envisageait de modifier, dans son état actuel, bien sûr,
certains éléments de la loi de 2005 sur les communications électroniques. Le premier, c'est que le législateur envisage d'implémenter une nouvelle exception au secret des communications électroniques. Principe bien ancré en droit belge. Ici, le législateur envisage d'instaurer une nouvelle exception afin de combattre les tentatives de phishing et spoofing qui ont lieu par voie de messages téléphone. Vous avez peut-être déjà reçu des messages bizarres de numéros non identifiés vous demandant de vous connecter à une application bancaire. Cela vous semblait suspect. Eh bien, c'est précisément ce que le législateur vise à combattre à travers l'instauration d'une obligation de filtrage automatique et ciblée. Ce n'est pas rien comme obligation, évidemment ça pose pas mal de questions. Ici, les opérateurs de communication électronique seront dans l'obligation d'assurer à la fois l'efficacité, la proportionnalité des filtres qu'ils mettent en place, éventuellement de mettre en place, d'effectuer une analyse d'impact qu'on imagine potentiellement volumineuse, d'assurer l'information de tous ces utilisateurs. À noter également, et c'est un point qui peut être intéressant pour la petite histoire, c'est que en termes de fondement du traitement, l'autorité de protection des données était plutôt encline ici à demander à ce que le fondement du traitement soit le consentement, ce à quoi le législateur a indiqué qu'ici, ce serait un peu compliqué de demander le consentement de tous les utilisateurs et toutes les personnes concernées ayant un téléphone, donc elle a plutôt choisi la voie de l'intérêt légitime. Ensuite, deuxième obligation à instaurer que je vous mentionne juste pour mémoire, c'est que ces opérateurs, dans le cadre des différentes mesures organisationnelles et techniques qu'ils doivent mettre en place pour assurer la sécurité de leur réseau, devront maintenant systématiquement procéder à des analyses de risques plus poussées préalablement à l'instauration ces mesures techniques. Et enfin, à noter, ne vous en faites pas si dans quelques années, vous ne retrouvez plus les règles en matière de cookies dans la loi de 2005, le législateur envisage de les faire changer de loi et de les instaurer plus tôt dans la loi du 30 juillet 2018, mais il n'y a pas de changement matériel à ce stade qui est notable à noter pour vous. Voilà, nous continuons maintenant sur d'autres nouvelles, d'autres décisions qui ont été publiées par des autorités de protection des données ou au cours d'autres pays de l'Union européenne que nous trouvions intéressant pour vous de connaître. La première, c'est une décision de l'autorité finlandaise qui concernait l'utilisation du software Clearview, donc un software d'analyse de reconnaissance faciale qui avait été utilisé par les services de police locaux. Alors c'était une unité spéciale des services locaux qui avait utilisé ce software afin de reconnaître des victimes potentielles d'abus sexuels, d'enfants victimes d'abus sexuels. Ici, l'autorisation n'avait pas été demandée au Bureau national de manière globale, qui était le contrôleur. Et patatras, il y a eu un data breach qui a dû être notifié à l'autorité de protection des données, qui s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des petits soucis d'un point de vue légal. Au final, en fait, eh bien, qu'est-ce qui a été décidé? C'était que sur base de cette absence d'autorisation, eh bien, le traitement des données à caractère personnel spécial était illégal. Et en plus, le contrôleur avait oublié n'avait pas suffisamment de mesures en place pour prévenir que certaines unités prennent des mesures un peu en toute indépendance et en demandant l'avis des supérieurs. Donc, important à retenir de cette décision, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine structure, une hiérarchie décisionnelle mise en place dans le cadre des différents traitements qui peuvent être mis en place au sein d'une organisation et que certaines unités ne fassent pas chacune les choses de leur côté sans qu'il y ait une autorisation expresse au risque que le traitement en devienne illégal. Deuxième décision, c'est une décision de l'autorité italienne cette fois qui a condamné une société immobilière qui faisait utilisation des services de LinkedIn avec un non-respect des terms and conditions de LinkedIn, qui est un service initialement seulement basé pour l'échange d'informations par rapport à des opportunités d'emploi. Ici, la compagnie avait clairement utilisé cela pour des raisons de business et donc de vente de services personnels. L'autorité italienne en a décidé que ça constituait une infraction au principe de finalité.
qui doit être légal, qui doit être légitime. C'est intéressant parce que donc sur une base purement contractuelle, ici, donc c'est-à-dire les terms and conditions, l'autorité italienne décide que, eh bien, il peut y avoir un problème légal par rapport à la nécessité d'avoir des finalités légitimes, déterminées et légales. Également à noter un manque de collaboration pour faire écho à ce que j'ai dit plus tôt, suite à une absence de réponse à une demande d'information de l'autorité, et une amende de 5 000 euros qui s'ensuit avec une réprimande et un ordre de prendre les mesures organisationnelles nécessaires. Enfin, une autre décision de l'autorité norvégienne qui, ici, suite à une requête, une demande d'accès par un ancien directeur d'une société, a indiqué que la société en question, quittée par le directeur, n'avait pas fourni suffisamment d'informations à son ancien directeur concernant un accès qui avait été effectué à sa boîte mail alors qu'il était parti. Bien sûr, ici, une telle information aurait dû être fournie et la personne n'en était pas informée, elle s'en est plainte, ça a mené l'autorité à la sanctionner. Donc, au cas où vous décidez, pour une raison ou une autre, d'accéder à certaines boîtes mail de vos employés, directeurs, anciens employés, anciens directeurs, veillez toujours, que ce soit de manière préalable ou plutôt on the spot, à en informer les personnes concernées. Et enfin, une décision qui nous vient de Slovénie, où une cour administrative a confirmé une décision de l'autorité slovénienne qui concernait une demande de suppression de données personnelles contenues dans un registre de baptême. Ici, c'était une personne qui avait été baptisée. Son nom et d'autres informations que je reprends ici étaient indiquées dans le registre en question. Le problème, c'est que la personne n'était plus membre. Elle ne voulait plus que ces données soient traitées. Elle n'avait pas donné son consentement initial pour ce traitement. Elle a souhaité en obtenir la suppression de ces données. Et à cela, la paroisse a rétorqué que le traitement n'était pas illégal, qu'elle avait tout à fait le droit de traiter ces données et donc en conséquence de refuser de supprimer ces données parce que le traitement était nécessaire à des fins d'archives dans un intérêt public. En l'occurrence, la suppression de telles données pourrait porter atteinte à cet objectif, c'est pourquoi il a été refusé de faire droit à cette demande. Et la Cour a décidé ici que l'intérêt public était suffisant. Donc c'est intéressant car ça nous montre que l'intérêt public est une notion finalement très large qui peut être appliquée de manière complètement différente au sein des pays de l'Union européenne. Et donc il n'y a pas eu de sanctions imposées. Je vais sur ce repasser la parole à Yann qui va continuer avec d'autres décisions et news. Dankjewel, Pierre. Dan zijn we bijna aan het einde van deze sessie uiteraard. Ik heb nog een beslissing van de autoriteit uit Hamburg. Zij hebben een onderneming beboet die customer bonuses toekenden voor de elektriciteitscontracten die die onderneming aanbood. En zij boden die aan nieuwe klanten. Nu, oude klanten wilden ook genieten van die bonussen, dus zij schreven zich als een nieuwe klant ook opnieuw in voor een contract bij die onderneming. En deze onderneming had erom besloten om de gegevens te gaan vergelijken van de nieuwe met de oude klanten, om te voorkomen dat uiteraard het toekennen van die bonus dat nog rendabel zou zijn. Daar kwamen klachten op binnen bij de toezichthoudende autoriteit en die hebben een zeer hoge boete opgelegd aan deze onderneming, omdat er een gebrek aan transparantie was over het combineren van die data. Het ging over een groot aantal betrokkenen, vandaar waarschijnlijk ook dat er zulke hoge boete is opgelegd geweest. En de onderneming is daartegen ook niet in beroep gegaan. Een volgende beslissing is een beslissing van een rechtbank in
het Verenigd Koninkrijk, onder de GDPR die geldt in het Verenigd Koninkrijk, maar waar toch ook wel werd verwezen naar een GDPR-claim en omdat het ook wel interessante feiten zijn. Dus het ging hier over een buur die een klacht had ingediend, een vordering had ingesteld, wegens laster en wegens inbreuken op zijn privacy. Waarom? Omdat een buurman of toch een persoon uit zijn straat gebruik maakte van de Amazon Ring doorbel en die zorgde ervoor dat video's gecapteerd werden van een groot deel van de straat en dat er ook audio-opnames konden gebeuren van gesprekken op wel 12 tot 20 meter afstand van de deur van die persoon. Uiteraard was dat niet in overeenstemming met waarvoor het eigenlijk het product was voorzien, namelijk om diefstallen te voorkomen. En daarom werd aan de persoon zelf een boete opgelegd van 100.000 pond. Daarop heeft Amazon naar haar klanten een duidelijke notice toegestuurd om natuurlijk hun producten en hun diensten enkel te gebruiken met respect voor de privacy van buren. Wat dan natuurlijk ook wel implicaties kan hebben of wat een goede reminder is voor bedrijven die zulke producten op de markt brengen, dat ze ook dat binnen bepaalde beperkingen doen. Een laatste punt dat interessant was en dat we tegenkwamen, is nog geen officiële GDPR-zaak, maar is wel een zaak die zou worden ingeleid, ook in het Verenigd Koninkrijk en ook onder GDPR, door een hele grote groep voetballers, onder andere van de Premier League, omdat zij vinden dat onder andere gokbedrijven en andere databedrijven onrechtmatig met hun data zouden omgaan, omdat deze statistieken zouden opstellen, profielen zouden opstellen over de spelers. Gaande van hoeveel goals iemand maakte tijdens een seizoen, tot hoeveel kilometer dat hij aflegt tijdens een wedstrijd en dat soort zaken. En zo was in het artikel te lezen dat er zelfs over personen meer dan 7000 collection points, data collection points eigenlijk werden verzameld. En men was van mening dat er toestemming moest worden gegeven door de voetballers zelf. Daar kunnen volgens ons wel vragen worden bijgesteld, maar het is wel interessant om deze vordering te zien, omdat toch GDPR in de sportwereld nog zeer vaak onderbelicht is geweest en dat we daar zien dat daar zeer weinig met GDPR eigenlijk rekening wordt gehouden, ook al wordt er zeer veel data verwerkt. Zeker bij voetballers om bepaalde analyses te doen. Ook bijvoorbeeld bij contractonderhandelingen worden heel veel data gebruikt. Maar of dat altijd conform de GDPR is, is een vraag. En deze zaak kan wel misschien een aanleiding zijn om die praktijken wat meer in beeld te brengen en onder de aandacht van de autoriteiten. Dat brengt ons bij het einde van deze sessie. Hopelijk hebben jullie hier iets, was het interessant voor jullie, beter gezegd. Als er nog vragen zijn, mogen jullie die gerust in de chat stellen. Pierre en ik blijven beschikbaar en dan zien we jullie graag terug voor een volgende digital webinar van Altius. Tot ziens!